Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de lecture, mais également d'un petit voyage que j'ai fait dernièrement. Je suis allée 2 jours à Amsterdam et donc je vais vous parler un petit peu de ce voyage, de mes impressions sur cette ville. Mais je vais d'abord commencer avec les lectures. Malheureusement, parmi ces lectures, donc il y en a deux, il y a un abandon. Et je suis vraiment très très déçue de ne pas avoir apprécié ce roman. Je vais commencer par celui-ci. C'est le roman Rose éternelle de Ophélie Duchemin. La couverture est vraiment magnifique. C'est surtout ça en fait qui m'a attirée. J'ai vu énormément d'avis positifs. En fait, je n'ai vu que des avis positifs sur ce roman. Et la couverture, ben, je trouve qu'elle est vraiment sublime. Le tome 2 vient de sortir, donc le tome 2... Il s'agit d'une réécriture de conte, voilà, peut-être commencer par là. Rose éternelle, c'est la réécriture du conte de La Belle et la Bête. L'autrice vient de sortir le tome 2 qui est la réécriture du conte de La Petite Sirène. Vu tous les avis positifs, j'ai eu envie de me laisser tenter. Les lectures de contes, c'est vrai que j'y suis pas trop habituée. J'ai lu une lecture de conte, donc qui est la saga Akotar, le tome 1. Donc c'était un palais de roses et d'épines, je pense que c'était ça le titre. Donc c'était une réécriture du conte de La Belle et la Bête et j'ai détesté ce roman. C'est ma seule expérience avec les réécritures de contes. J'ai eu envie de réitérer cette expérience en me disant qu'ici ça fonctionnerait sans doute mieux parce que l'autrice est francophone, donc le roman n'a pas subi de traduction. Donc déjà au niveau de la plume, j'avais bon espoir que ce soit beaucoup mieux. Et puis au niveau de l'histoire... Voilà, moi j'aime bien le conte de La Belle et la Bête. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa si c'est bien écrit, bien pensé... etc. Comme vous vous en doutez, si j'ai abandonné le roman, c'est que j'ai détesté. J'ai vraiment pas du tout aimé, j'ai pas pu aller à la fin. Je me suis arrêtée à 36% de lecture. Je m'étais dit que j'irais jusqu'à la moitié au moins, mais franchement, c'était pas possible parce que c'était vraiment plus une plaie qu'autre chose. J'en ai parlé sur Instagram, je vous ai demandé voilà, votre avis et vous étiez une majorité à me conseiller d'arrêter ma lecture là si ça me plaisait pas parce que voilà, pourquoi se faire du mal quand tu sais que t'as plein d'autres romans à côté qui attendent d'être lus et qui promettent d'être super cool, pourquoi se faire du mal à continuer de lire quelque chose qui nous plaît pas. Donc ce roman, je vais pas pouvoir en faire un avis hyper complet parce que je l'ai pas terminé. Donc si ça tombe, j'aurais adoré le dernier quart du roman et saurais rattraper les 3/4 que j'ai pas apprécié. Je sais pas, voilà, j'ai pas pu aller plus loin, tout simplement parce que ce roman pour moi est bourré de clichés. C'est des clichés en veux-tu, en voilà. C'est l'héroïne, donc Méliane, je crois que c'est ça, Méliane l'héroïne, qui donc interprète le rôle de Belle, hein, dans La Belle et la Bête. Est juste imbuvable, voilà, je ne la supporte pas, c'est pas possible. C'est vraiment, cette héroïne pour moi est hyper problématique, en tout cas de mon point de vue, hein, par rapport aux héroïnes que j'aime. Donc l'autrice a essayé d'en faire une héroïne badass, qui a du caractère, qui se laisse pas faire. Dans le conte original de La Belle et la Bête, c'est vrai que Belle n'est pas... est du genre un peu badass aussi, bon... C'est très, comment dire, édulcoré, hein. Elle n'est pas non plus, c'est pas une guerrière quoi. Mais on va dire qu'elle se laisse pas dire, qu'elle se laisse pas faire et voilà, elle a des avis bien tranchés. Ici, on est totalement là-dedans, mais avec un cran encore au-dessus. Le souci, c'est que, de mon point de vue, c'est pas du tout réussi. On sent bien que l'héroïne, que l'autrice voulait en faire une héroïne badass, mais pour moi, en fait, elle a... C'est pas du tout ce que j'ai ressenti. C'est, pour moi, c'est juste une sale gamine. Voilà, j'ai pas réussi à me dire que c'était vraiment une fille courageuse, un peu rebelle, etc. Ben non, ça n'a pas du tout fonctionné. Comme autre cliché, ça c'était le pire. Et je pense que c'est surtout pour ça que j'ai arrêté. Parce qu'en fait, je peux plus supporter les romans qui ont ce cliché-là. C'est que tous les hommes... tombe en syncope devant elle. Voilà, elle est tellement belle, mais elle le sait pas. Qui sait, c'est le style de fille d'héroïne qui est très très belle, mais qui n'en a pas du tout conscience. Et puis un jour, elle s'en rend compte et elle comprend pas en fait pourquoi tous ces hommes veulent la violer, parce qu'ils veulent la violer, hein, qui veulent absolument l'épouser. Enfin, elle comprend pas. Voilà, elle comprend pas.
C'est vraiment le cliché, tu sais, c'est ce genre d'héroïne qui fonctionnait bien il y a quelques années, du temps de Twilight. J'avoue, moi à l'époque, j'aimais bien, hein, voilà, j'avais 21 ans quand j'ai lu Twilight, il y a quand même 14 ans. Ça fonctionnait très très bien à l'époque, mais je trouve qu'actuellement, ça fonctionne plus ce genre de choses. Enfin, en tout cas, peut-être que ça fonctionne encore pour certaines, vu que le roman a eu beaucoup d'avis positifs. Je me dis que, en fait, la plupart des gens, des filles apprécient. Moi, je peux plus ça. Je peux plus ce genre d'héroïne. C'est au-dessus de mes forces. Et vraiment, voilà, tous les hommes sont juste comme ça devant elle, quoi. C'est pas possible parce que, enfin, moi, ça me semble complètement aberrant parce que des filles jolies, tu vois, t'en vois tous les jours, mais enfin, les mecs sont pas tous en train de baver devant elle, quoi. Ils peuvent reconnaître que la fille est jolie, mais c'est bon, après ils passent à autre chose. Enfin, ils sont pas en train je sais pas, tomber là parce que la fille est belle. Voilà, c'est pas possible. Alors, par rapport à la bête, du coup, ben, je suis pas arrivée au moment où il y a rapprochement. Hein. Je ne sais pas jusqu'où l'héroïne va, est-ce qu'il y a des scènes érotiques, etc. Je n'en sais rien. Je suis pas arrivée au moment où il y a rapprochement, mais en tout cas dès le début, tu sais, t'as l'attirance directement. Encore une fois, ça c'est un cliché du style Twilight, vraiment les trucs qui fonctionnaient bien il y a 10 ans, quoi. Où t'as la fille qui arrive, elle se retrouve face à la bête, et elle comprend pas pourquoi il y a cette attirance directement. C'est bizarre, la bête lui fait peur, oui, mais en même temps elle est attirée par elle, et puis lui aussi il ressent quelque chose à chaque fois qu'il la regarde et tout. Le mec c'est une bête depuis quelques années, il est pas gentil, il gueule sur tout le monde, il est complètement fermé. Mais face à Méliane, ben oh voilà, son cœur s'ouvre comme par magie en 3 secondes et demie, voilà. Encore une fois, un cliché que moi je peux pas. Je peux pas ce genre de cliché. Et puis alors, dernier cliché, je pense, qui m'a vraiment. Enfin, quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, mais non, elle nous a encore rajouté ça en plus. C'est que, apparemment, donc dans ce château, hein, il n'y a pas que la bête et ses serviteurs qui vivent. Il y a aussi les nobles, qui sont des humains totalement normaux. Et bah, évidemment, tu as la peste de service qui va prendre Méliane en grippe parce que bah, Méliane est vraiment très belle. Et donc, du coup, toutes les autres filles sont jalouses. Logique! Logique! Voilà. Et je n'ai pas lu la suite, mais dans les commentaires que j'étais voir sur Babelio, apparemment, cette fille, comment elle s'appelle? Gabriella, je crois que c'est ça. Je sais pas. On la cite qu'une seule fois dans le roman parce que je me suis arrêtée, donc du coup je n'ai pas. Je crois que c'est Gabriella. Voilà, il n'y a qu'une seule confrontation par rapport à elle, mais directement j'ai compris que c'est totalement gratuit, quoi. La fille va détester Méliane, mais vraiment totalement gratuitement, quoi. Méliane, elle a rien fait, mais directement, voilà, la fille va la détester parce que voilà, elle a droit à un appartement alors qu'elle n'est pas une noble, et que, bah, évidemment, elle est belle, elle attire les faveurs de la bête, et... C'est pas possible. Ce genre de cliché. Bon, voilà, je peux comprendre que ça plaise. Moi, il y a 10 ans, ça me plaisait. Actuellement, c'est peut-être mon âge qui fait ça. Hein, voilà, c'est fort possible que ce soit mon âge, puisque je vous dis, quand j'avais 21 ans, j'aimais bien. Mais là, maintenant, à mon âge, ce genre de cliché, c'est. Je peux plus lire ça. C'est plus possible. Donc, voilà, c'est très très dommage, parce que je pense que le fond de l'histoire était chouette. Donc c'est la réécriture du conte, le fait qu'il y ait tout un scénario par rapport à ça, on va dire les origines de la bête et tout, tout est un peu modifié, et je pense que c'est chouette. Je crois que l'idée de base est vraiment chouette, mais voilà, la façon, enfin, l'héroïne est insupportable, les clichés à tout va, non, c'est voilà. Si j'avais eu 20 ans, peut-être, mais à 35 ans, pas possible pour moi. Donc vraiment, si vous n'êtes pas dérangé par ce genre de cliché, par les héroïnes, je suis belle, mais je ne le sais pas. Et en même temps, mon Dieu, que je suis badass. Si vous aimez ça, bah, écoutez, allez-y, parce que je pense que ça vous plaira. Mais si ce genre d'héroïne vous tape sur le système, n'y allez pas, parce que vraiment, voilà. Puis je trouvais que le début aussi était très très long, ça met longtemps à se mettre en place, hein. Vraiment plein de choses problématiques par rapport au style d'écriture. J'ai pas trouvé ça non plus transcendant. C'est pas bien écrit, c'est pas mal écrit non plus.
Je sais pas, je comprends pas en fait l'engouement par rapport à ce roman là, mis à part que la couverture est vraiment très très belle. Je sais pas, c'est comme à Cotard, voilà, je comprends pas. Ça me dépasse en fait, cet engouement par rapport à ce style de roman. Pour les réécritures de contes, je pense que je vais m'arrêter là. Je crois que c'est pas fait pour moi, tout simplement. Voilà, c'est mon deuxième essai. Je crois que je suis pas non plus réceptive à ça. Ça marche pas. Donc je vais m'arrêter là et je suis désolée d'avoir cet avis négatif. Comme d'hab, je souligne quand même que c'est mon propre avis et qu'il ne concerne que moi. Hein. Donc voilà, si vous avez apprécié le roman, bah écoutez, tant mieux, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, moi je pense que je suis toujours très honnête dans ce que je dis. Et voilà, moi l'histoire, c'est pas un roman que j'ai apprécié malheureusement. Par rapport à la deuxième lecture dont je voulais vous parler, c'est pas un roman, c'est plutôt un essai. Et donc c'est ce roman. Enfin cet essai du coup, Réinventer l'amour donc de Mona Chollet. Donc Mona Chollet est une journaliste qui a écrit pas mal d'essais, dont le très très célèbre Sorcière que j'aimerais bien lire. Mais en fait il y avait, voilà, c'était celui-là et Sorcière que je voulais acheter. Comme c'est quand même un livre à 19 balles, j'ai pas acheté les deux quoi. Hein. Je me suis dit va déjà en lire un et puis tu verras pour le second. Donc ici vraiment... Mona Chollet va porter un regard très féministe sur les relations hétérosexuelles et va essayer de démontrer en quoi le patriarcat pose problème en fait dans tout ce qui est relations hétérosexuelles. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai franchement apprécié cette lecture. Est-ce que ça m'a appris des choses? Je sais pas trop. C'est pas vraiment que ça t'apprend des choses, c'est juste que ça soulève des questions et qu'en fait pendant que tu lis, tu t'interroges sur certaines choses, sur ton propre comportement à toi, sur ton propre couple, sur tes relations passées. Et j'ai trouvé ça très intéressant et un peu réconfortant dans mon cas aussi parce que je remarque que j'étais vraiment le cliché de la femme soumise au patriarcat, complètement dans le passé. Mais je me rends compte que maintenant j'en suis quand même pas mal sortie. Je dis pas que j'en suis sortie totalement, mais j'en suis pas mal sortie. Dans ma relation actuelle avec l'homme, enfin avec qui je suis donc actuellement, on est totalement en dehors de ça. Le patriarcat, je dis pas qu'il est totalement absent parce que y a rien à faire. On est influencé par ça, on a toujours vécu là-dedans, on a été éduqué par le patriarcat. Et du coup c'est difficile de s'en détacher complètement. Mais je trouve qu'il y a une belle avancée quand même. En tout cas dans mon cas, voilà, ça m'a fait me poser pas mal de questions. Et je me suis quand même dit que du coup l'homme avec qui je suis, j'ai vraiment beaucoup de chance. Parce que voilà, il est pas trop dans le patriarcat. Et je trouve ça, enfin voilà, ça m'a juste fait... conscientiser des choses que je savais déjà, mais voilà, je trouvais ça très intéressant. Vous voyez, j'ai quand même souligné pas mal de trucs. Ce que j'ai aussi apprécié dans ce roman, c'est que l'autrice parle aussi de la difficulté des hommes en fait dans notre société, parce que ça c'est des discussions que j'ai souvent justement avec mon mec, c'est que que c'est pas facile pour les femmes, que les femmes commencent à, enfin ça fait déjà un petit temps maintenant, à se rebeller, on va dire ça comme ça. C'est pas vraiment, c'est des termes qui sont pas très appropriés, mais c'est juste peut-être qu'elles commencent à reprendre leur place tout simplement au sein de la société, et commencent à oser parler et à prendre leur position au même titre que les hommes. Mais ce qui me fait souvent souligner que pour les hommes c'est dur aussi parce qu'on attend d'eux certaines choses, de la virilité, etc. Et que pour eux, en fait, c'est dur parce que parfois, ils n'ont pas forcément envie d'être comme ça. Mais en fait, ils n'ont pas le choix parce que le patriarcat leur impose ça aussi. Et j'ai aimé parce que Mona Chollet en parle dans son essai. Elle le souligne, elle dit aussi, elle exprime le fait que pour les hommes, ben, c'est pas forcément facile non plus et qu'on les a toujours obligés à refouler leurs émotions. Et du coup... voilà, c'est comme ça que le patriarcat pose vraiment des soucis dans les relations hétérosexuelles. J'ai noté certaines choses intéressantes, hein, je vais peut-être pas tout
vous exposez, mais par exemple, quelques petites choses ici, elle parle du paradoxe de la misogynie qui dit que le fait que les hommes hétérosexuels expriment leur désir pour les femmes au sein d'une culture qui les encourage à mépriser et à haïr les femmes, ce qui est totalement vrai. Il y a beaucoup d'hommes qui rabaissent les femmes constamment, mais en même temps, on les encourage à désirer ces femmes. Et c'est toutes des choses, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que du coup, c'est pour ça que je l'ai souligné, parce que j'ai trouvé ça intéressant comme réflexion et j'avais envie de revenir dessus. Elle parle aussi du fait de s'aimer mais de ne pas vivre ensemble, et en fait, c'est comme ça que j'ai fonctionné avec mon compagnon pendant 2 ans. On vivait pas du tout ensemble et on trouvait ça très très bien parce que ça nous permettait d'avoir encore une vie à côté, de ne pas étouffer l'autre, mais de malgré tout s'aimer très très fort. Et voilà, elle souligne ici que c'est vrai que quand tu as un couple et que tu vis ensemble, tu te réjouis souvent de l'absence de l'autre. Elle exprime aussi que notre culture tend à pousser aussi les hommes à dominer et les femmes à se soumettre. Ouais, vraiment, la société essaye de nous faire croire que le secret d'une union amoureuse réside là-dedans, que l'homme domine et que la femme se soumet, elle se tait, et je trouve ça vrai. Mais par contre, je trouve quand même que ça change énormément, parce que dans tout ce qu'elle exprime, je suis d'accord, mais disons que je trouve que ces 10 dernières années, c'est plus vraiment comme ça. En tout cas, personnellement, ce que je vois dans mon couple, dans aussi mes amis, des filles qui ont la vingtaine, la trentaine, je ne crois pas que ce soit encore beaucoup comme ça que ça se passe. Les femmes se soumettent plus vraiment, en fait. Moi, je suis plus dans la vie, en tout cas de ce que j'observe, c'est plus... Il y a plus une égalité qui commence à s'installer quand même, enfin moi je trouve en tout cas. Elle exprime aussi que le fait que l'homme doit se montrer beau et fort, et la femme doit avoir un petit côté faible et vulnérable pour pouvoir plaire. Ça par contre, je suis toujours plus ou moins d'accord avec ça, parce que des femmes qui parlent fort, qui ont de la gueule, on va dire, les hommes sont moins attirés en règle générale, hein, par ces femmes-là. C'est moins ce qu'ils recherchent. Ils vous iront, je pense, plus facilement vers une femme qui est assez discrète, qui ose s'exprimer, mais pas de façon trop, avec trop d'exubérance. Je crois que c'est vrai. Voilà, vraiment, il y a certaines choses pour lesquelles je suis plutôt d'accord, d'autres choses pour lesquelles je suis moins d'accord, parce que je trouve que c'est plus trop comme ça actuellement. Elle parle aussi de la rivalité entre les femmes, du fait que... Enfin, de ce qu'elle dit, la femme cherche toujours l'attention de l'homme, et donc du coup, quand il y a plusieurs femmes qui essayent d'attirer l'attention des hommes, elles entrent automatiquement en compétition et en rivalité. Au lieu de se serrer les coudes, elles vont plus, ouais, être en rivalité à cause des hommes qui sont présents. Et je sais, j'ai l'impression que c'était comme ça beaucoup dans le passé, mais j'ai l'impression que maintenant, actuellement, c'est beaucoup moins comme ça. Je crois que les femmes se serrent de plus en plus les coudes. Il y a ce phénomène de sororité qui a quand même pris beaucoup d'ampleur, et je pense que les choses s'arrangent. Enfin, en tout cas, je sais que j'ai tendance à vivre dans un monde de bisounours, mais j'ai quand même cette sensation-là. Elle aborde aussi tout ce qui est sexualité, etc. Vraiment, c'est assez complet comme essai, c'est hyper intéressant. Voilà, je vous dis, pour se poser des questions sur soi-même, sur son couple, je me dis qu'il y a peut-être des femmes qui sont dans une relation toxique, problématique avec un homme. Si elles lisent ça, ça va peut-être leur ouvrir les yeux, et ça peut être pas mal. Après, je me dis, si t'es dans une relation toxique et que tu te mets à lire ça, je suis pas sûre que ton mec il va apprécier de voir ce livre tu sais, exposé sur la table, parce que clairement tu le vois que c'est un roman, enfin c'est un essai assez féministe, ça se sent, quoi. Voilà, après bon, voilà, moi j'ai trouvé ça sympa, je suis contente de l'avoir lu. Est-ce que ça m'a apporté beaucoup? Je crois pas actuellement, peut-être si j'avais lu il y a 10 ans. Actuellement, ça m'a pas apporté énormément de choses, mais c'était intéressant, et je pense que ça peut être pas mal que toutes les femmes y jettent un œil. Je crois que ça peut pas faire de mal, en tout cas. Voilà pour mes 2 dernières lectures. Là, je suis en train de lire Ce que murmure le vent, de je ne sais plus qui. J'ai oublié le nom de l'autrice. J'aime bien. Après, j'ai pas beaucoup lu ces derniers temps, puisque je suis partie à Amsterdam. Et donc, du coup,
le roman traîne un peu en longueur. Et quand un roman traîne en longueur comme ça, ça me plaît pas parce que moi j'ai vraiment besoin de lire un livre sur très peu de jours pour vraiment être dedans. Sinon en fait je n'arrive pas à m'immerger complètement dans la lecture et ça pose problème. Voilà, là normalement ça va être un peu plus calme les jours qui viennent, donc je vais peut-être pouvoir un peu plus avancer. Pour l'instant j'ai pas trop d'avis parce que je n'en suis qu'à 15% de lecture, donc c'est vraiment pas assez pour vous en parler. Je vais vous parler de mon voyage à Amsterdam, mais je vais pas faire ça tout de suite parce que là il commence à faire hyper chaud et je dois aller faire des courses à Action. Donc je vais, je pense, partir maintenant, sinon après il va faire trop chaud et je vais plus avoir le courage. Voilà. Donc je vous laisse et je vous retrouve après mes petites courses Action. Un petit haul Action, ça vous dit? Écoutez, je reviens chez Action, j'ai trouvé des trucs un peu sympas, donc je me suis dit que j'allais vous montrer. Si les hauls Action, vous n'en avez rien à carrer, écoutez, je vous suggère d'aller plus loin dans la vidéo. De toute façon, je mets toujours, je compartimente toujours ma vidéo, donc il vous suffit d'aller au segment suivant si le haul Action ne vous intéresse pas. Ça va être vite fait, hein, je ne vais pas commencer à donner les prix et tout, donc c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver pour le moment chez Action. Alors, je commence avec ça. J'ai acheté des cintres en velours. Ces cintres sont super super bien. J'en ai déjà acheté plusieurs fois. En fait, à chaque fois que j'y vais, j'en reprends. C'est un paquet de 10. Ils sont vraiment super. Les vêtements ne glissent pas ni rien, c'est nickel. J'ai trouvé cette superbe tasse. Regardez ça comme elle est belle. Oh là là, avec des fleurs et tout. C'est totalement dans le style cottagecore que j'adore, que mon mec il déteste. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est mes tasses à moi. Donc on s'en fout, il boit pas dedans. Donc j'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé une petite soucoupe. Voilà. Qui est dans la même collection. Je sais pas pourquoi il y a la photo d'une Jane Birkin. Attends, Jane. Ah non, Jane Kubrink. C'est quoi cette affaire? Jane Brickman. Écoutez, je ne sais pas. Est-ce que ce serait fait en collaboration avec quelqu'un, une dame très sympathique que je ne connais pas, je ne sais pas. Mais voilà, moi il y avait des petites tasses aussi. Donc là c'est plus une tasse soucoupe. Il y avait des tasses classiques. Mais bon, ça ne m'intéresse pas. Donc du coup j'ai juste pris ça. Il y a déjà la déco d'automne, mais oui, oui, bien sûr, nous ne sommes pas encore en août, mais il y a déjà la déco d'automne. Et évidemment, j'en ai acheté. Mais oui. J'ai pris ça, voilà, c'est une petite maison avec un écureuil, vous en aviez différentes sortes, avec un hérisson, avec des champignons je crois, je ne sais plus trop. Moi j'ai pris celle-ci, je trouve ça très très mignon, ça ira très bien dans ma déco d'automne. J'ai pris ça maintenant, parce que de toute façon une fois qu'on est en automne il n'y a plus rien, donc voilà c'est maintenant qu'il faut acheter. J'ai pris des aimants, hein. Voilà des aimants, ça sert toujours. J'ai pris... des œillets pour l'école pour ma fille, elle en a besoin, c'était marqué sur la liste, donc j'en ai repris. Des élastiques à cheveux comme ça, il paraît qu'ils sont très bien. Voilà, sur la chaîne de Aurélie qui fait souvent des hauls Action, elle en a acheté et elle dit que ils ne cassent pas les cheveux. Donc écoutez, on verra, j'en ai acheté pour la première fois. J'ai pris en déco d'automne ça et je vous montre, j'en ai pris deux en fait. Donc j'en ai pris avec des champignons et j'en ai pris avec des citrouilles et des pommes. Il y en avait aussi avec des écureuils. Donc c'est des petits trucs en bois à pendre. Je trouve ça très mignon et je pense que j'en aurai franchement l'utilité ces trucs là. Je sais pas encore comment je ferai, mais voilà. Il y a 12 pièces dans chaque petite boîte. Bon, j'ai acheté des chaussettes pour ma fille, des slips pour mon fils. Encore des chaussettes pour mon fils, je ne passe pas mon temps là-dessus, on s'en fout un peu. Des pastilles lave-vaisselle, pareil, on s'en fiche. J'ai acheté pour la première fois du produit comme ça pour nettoyer. Celui-là, c'est pour nettoyer tout, je crois. C'est pour tout dans la maison, ouais, je sais pas. All purpose, ouais, voilà, c'est ça, pour un peu de tout. Ça a l'air assez naturel comme produit. Pareil, je vois souvent passer sur des chaînes qui parlent de haul Action et j'en ai jamais acheté. Donc voilà, là je me suis dit, je vais en acheter. Des gants jetables en latex. Je n'aime pas du tout tout ce qui est jetable. J'essaie vraiment au maximum de ne pas utiliser ce genre de truc. Mais là, j'ai repeint mon escalier avec une peinture qui vient justement de chez Action, qui ne s'enlève pas à l'eau, qui s'enlève au White Spirit. Et ben, vous êtes bien obligé de foutre vos mains dedans, dans l'eau mélangée avec le White Spirit. Ça agresse super fort les mains et en plus la couleur ne se retire pas sur la peau. Je me suis trimballée, d'ailleurs j'ai encore des traces, voilà, ça fait 4 jours que j'ai peint et j'ai encore des traces sur les mains. Donc du coup j'ai pris des gants pour ne plus foutre mes mains là-dedans parce que c'est pas génial.
du nettoyant lave-vaisselle au citron. J'ai pris Nettoie tout cuisine Dettol. J'en avais déjà acheté et j'aime bien parce que c'est du Dettol, donc ça désinfecte quand même et je trouve ça assez chouette. J'ai pris du vanish pour le linge blanc, du vanish pour le linge coloré, et ça c'est vraiment pas cher parce que c'est moins de 5€ la boîte. Et je crois que j'avais regardé sur Amazon et ça coûtait 11€ la boîte. Donc je pense que ça vaut quand même le coup. Ouais, c'est 600 grammes, je pense que c'était plus ou moins ça. Du nettoyant pour les toilettes. C'est très intéressant. Je pense que là on a fini en fait avec les trucs intéressants, mais je vous montre vite fait la fin. Des lingettes pour nettoyer les toilettes. Une prise comme ça avec 3 ports. Et en fait j'ai pris ça parce que vous avez un interrupteur. Donc en fait moi le soir, pour essayer d'épargner le maximum, au maximum l'électricité, vu le coût de l'électricité actuellement, j'éteins en fait. Je passe mon temps à éteindre toutes les prises partout dans la maison. Et donc du coup ben voilà, ça c'est vachement pratique. J'en ai pas encore partout, donc j'en ai racheté une. J'ai repris le même nettoyant, mais cette fois-ci pour la cuisine. Voilà, écoutez, il paraît que c'est bien, que c'est assez naturel, donc nickel. J'ai repris un cahier à Thomas, comme ça, dans un ton mint, vert, mint. Donc moi ça je m'en sers quand je dois planifier mes romans. Voilà, si vous avez vu ma dernière vidéo où je vous parle de la planification de mon roman, enfin voilà, mon roman en cours, je vous montre un petit peu comment je fais. Et j'ai justement un cahier à Thomas comme ça que j'utilise. Je trouve ça très très pratique pour faire les plans de son roman. Du scotch format plastique, et là c'est du scotch format carton. Ça c'est pour mes envois Vinted. C'est bien mieux que le format plastique. Le format plastique c'est plus quand je dois faire des caisses de déménagement, parce que là voilà, il y a un déménagement prévu, donc je vais avoir besoin de ce scotch là. Et j'ai pris finalement un vase, je le trouvais joli. J'aimais bien la forme. Donc voilà, j'ai pris ce vase. Et voilà pour le haut l'action. Je vous avais dit que ça ne traînerait pas. Ça a été assez vite. Et voilà, tous mes petits achats du jour. Je vous partage donc quelques petites images que j'ai prises quand j'ai été faire mon petit séjour donc à Amsterdam. Comme vous voyez ici, donc en fait on se dirige vers la Grand Place. Amsterdam en globalité, j'ai trouvé que les bâtiments c'était très joli, mais en fait ce qui est assez particulier c'est que certaines rues sont vraiment très chaleureuses, on s'y sent vraiment très bien, et puis on bifurque dans une rue et il y a un aspect assez glauque qui se dégage de ces rues là. C'est vraiment bizarre, d'une rue à l'autre en fait l'ambiance est complètement différente. Donc là la Grand Place c'est assez sympa en fait, sur voilà, là tout au milieu, il y a des gens qui font des animations, des dessins, qui font des acrobaties, etc. Le bâtiment là tout en face, donc c'est le Palais Royal. Vous avez aussi le musée de Madame Tussaud et également une espèce de grande cathédrale. J'ai pas fait de visite, hein. Je suis pas rentrée dans le Palais Royal parce que c'était payant. Je suis pas non plus rentrée dans le musée de Madame Tussaud, ni dans la cathédrale. La cathédrale, je suis rentrée, juste voilà, dans l'entrée. Mais après on pouvait pas aller plus loin parce que c'était payant, et voilà, du coup je n'ai pas fait ça. On s'est principalement promené, on a marché 13 km le premier jour et 9 km le second jour. Donc là comme vous voyez c'est des petits canaux avec les super petites maisons hollandaises. Ça c'est vraiment joli, franchement se promener le long de l'eau c'est vraiment très très cool. Vous pouvez boire un verre aussi, il y a pas mal de petits cafés, etc. Ça c'est chouette. Ici vous voyez c'est une espèce d'église. Celle-là n'était pas payante, donc on a pu y rentrer et c'était vraiment sympa. Moi j'adore les églises, quand je suis à l'étranger dès que je vois une église je rentre dedans. Ici c'est le marché aux fleurs, donc en fait cette petite cahute était vraiment super super belle. Il y avait des fleurs séchées au plafond. Vous pouviez acheter des fleurs et toutes sortes de petits souvenirs qui viennent de la Hollande. Par contre je vous conseille pas d'acheter des fleurs à la toute première cahute qui est très belle avec les fleurs séchées, parce qu'en fait ils vendent leurs tulipes beaucoup plus cher que dans les petits magasins qui suivent. Voilà, moi je me suis fait prendre, je le savais pas, et c'est voilà. Tant pis pour moi. Mais voilà, en globalité Amsterdam c'est chouette. Après c'est pas ma ville préférée. Moi qui visitais Londres, j'ai préféré de loin Londres à Amsterdam. C'est quelque chose à faire si vous en avez l'occasion. Voilà, moi j'habite tout près, enfin je suis à 2h30 de route, donc c'est pas très loin. J'avais jamais eu l'occasion de m'y rendre, et ben là voilà, j'avais très envie de pouvoir au moins une fois voir comment c'était. Du coup j'en ai profité.
Par contre, la vie est quand même assez chère là-bas. J'ai été très étonnée des prix des boissons, etc. C'est vraiment très très cher. Après, je pense que les prix ont augmenté partout, mais c'est vrai que si tu veux prendre un verre en terrasse, ça coûte quand même pas mal d'argent. Mais voilà, en globalité, c'était un chouette petit séjour. Et coucou, je vous retrouve pour la suite de cette vidéo avec mes deux dernières lectures. Malheureusement, parmi ces deux lectures, il y a eu un abandon. J'en suis vraiment super super peinée. Je vais vous parler donc de cet abandon, vous expliquer pourquoi ce livre ne va absolument pas plus. Par contre, le deuxième bouquin, je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Donc voilà, ça compense un peu le fait que ma lecture était pas terrible. Le second roman que j'ai lu, qui est plus peut-être adressé à mon âge, c'est Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Là, l'héroïne, pour le coup, elle a 31 ans. Et c'est vrai que j'ai plus de facilité à aimer, apprécier un roman avec une héroïne plus âgée comme ça. Ce roman, j'avais très envie de le lire, vraiment, depuis qu'il est sorti. J'avais qu'une hâte, c'était l'acheter et le lire. Je l'achetais pas parce qu'en fait, je trouvais qu'il était hyper cher. Donc, en format papier, il était beaucoup trop cher. Je crois qu'il était à 20 €. Et en format numérique, il était aussi à quelque chose comme 15 €, un truc comme ça. Et pour moi, c'est trop cher en numérique. Donc, j'attendais que le prix baisse, qu'il sorte éventuellement en format poche. Ou, voilà, que le prix baisse, quoi. J'ai lu pour 2 € dans l'Opération All Star. Donc, moi, ça m'allait totalement. Et donc, là, je l'ai terminé. Je vous avoue qu'en le commençant, j'ai eu un petit peu peur parce que j'aimais pas trop. Je trouvais que c'était un petit peu un copier-coller de Outlander. Après, je suis finalement revenue sur cet avis-là parce que, au-delà, enfin, t'as juste le fait que c'est un retour dans le passé, mais ça, j'ai envie de dire, des livres avec des voyages dans le temps, t'en as tout plein et ils sont pas tous reliés à Outlander. Donc, du coup, c'est un peu le seul point commun qu'il y a avec ce roman-là, surtout qu'ici, en fait, vous avez donc l'héroïne et qui retourne dans le passé, mais en 1920, 22, je crois que c'est en 1922 ou 1921, en Irlande. Donc elle retourne comme ça dans le passé. C'est un peu comme le même principe qu'Outlander, on va dire ça comme ça, c'est que son grand-père vient de mourir, elle n'a pas d'autre famille, et la dernière volonté de son grand-père, c'était que ses cendres soient éparpillées sur un lac bien précis en Irlande, puisque il est irlandais. Et donc du coup, elle accède à sa volonté, et c'est ce qu'elle fait, mais quand elle se rend sur ce fameux lac, en fait, elle passe dans le passé, elle retourne dans le passé en 1921. Et donc, elle va se retrouver en Irlande avec tous les problèmes qu'il y a en Irlande à ce moment-là. Alors, personnellement, je ne connais absolument rien de l'histoire de l'Irlande. C'est un pays qui m'attire comme ça parce que j'aime bien tout ce qui est Écosse, Irlande, même Angleterre, etc. Mais c'est vrai que, point de vue historique, je ne me suis jamais tracassée de savoir ce qui s'était passé en Irlande. Du coup, ici, c'est vrai que je suis un peu tombée comme un cheveu dans la soupe avec tous ces faits historiques, parce qu'il y a beaucoup de faits historiques relatés. Et c'est vrai qu'à certains moments, je me suis pas mal perdue et j'ai sauté des passages parce qu'en fait, juste, je comprenais pas. Et en plus, ça m'intéressait pas. Il y a beaucoup, beaucoup vraiment d'aspects historiques. Et voilà. Pourtant, j'aime les romans historiques, mais là, c'était un chouïa trop pour moi et un chouïa trop pointu. Donc, il y a des passages que je passais. Mais à côté de ces passages-là que je zappais, il y avait des passages avec donc l'héroïne Anne, qui donc retourne dans ce passé et qui fait face à plein de difficultés parce que voilà, en fait, quand elle retourne dans le passé, on la prend, on la considère, on pense que c'est en fait l'ancienne Anne Gallagher, qui était la mère donc d'un petit garçon là dans la famille, qu'on n'a jamais retrouvé lors, il y a eu des fusillades, etc. On l'a jamais retrouvée, et en fait on pense que c'est elle qui revient 6 ans après cette fameuse fusillade. Du coup, elle joue le jeu et elle se fait passer donc pour cette femme, mais et forcément c'est pas évident parce que elle devrait se souvenir de certaines choses et elle s'en souvient pas forcément puisqu'elle vivait pas à cette époque-là. Et donc petit à petit, tu as une histoire d'amour qui va se tisser avec donc un homme de cette époque-là. Et au final, j'avais un avis assez mitigé jusqu'au 80% du roman.
J'aimais bien sans forcément plus. Et puis les 20 derniers pourcents du roman, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai adoré. Mais vraiment, j'ai adoré. J'étais super émue. Et quand j'ai refermé le livre, j'étais super émue en fait. Et j'ai trouvé ça génial. Et du coup, en fait, cet avis mitigé que j'ai lu pendant 80% du livre, au final, grâce aux 20 derniers pourcents du roman et à la fin du roman, je peux dire que j'ai aimé le livre. Ça, quand je vous dis en tant qu'auteur, quand vous écrivez, faites attention à votre fin, parce que vraiment, tout peut se jouer sur la fin du roman. Ben, ici, c'est clairement le cas. Si la fin n'avait pas été aussi bien, je vous aurais dit que le roman était chouette, mais sans plus. Ici, mon avis, c'est plutôt que le roman est génial, voilà, que je le conseille vraiment. Parce que cette histoire d'amour est magnifique. Mais vraiment, moi je suis rarement touchée par des histoires d'amour, parce que c'est vrai que je pense que j'en ai lu tellement dans ma vie qu'il n'y a plus grand chose qui arrive à me toucher. Mais là vraiment ça m'a touchée, j'ai adoré, c'est vraiment superbe. C'est magnifique, c'est bien écrit, c'est traduit forcément, puisque Amy Harmon est... américaine, et donc du coup elle a du sang aussi irlandais, puisque il y a un petit mot à la fin qui explique que c'est basé sur des faits réels, hein, évidemment, des faits historiques, mais que pour pouvoir écrire son histoire, elle a brodé autour de certains faits, ce qui est normal. C'est une fiction, c'est pas une biographie, c'est une fiction. Et c'est bien traduit. Je pense qu'à la base c'est bien écrit, parce que c'est pas le premier livre d'Amy Harmon que je lis, et c'est vrai que ça m'avait fait le même effet, je me rappelle. Ça m'avait beaucoup émue quand j'avais lu son roman Nos Faces Cachées, et en fait je retrouve ça, cette émotion là. Donc je pense que Amy Harmon, clairement sur moi ça fonctionne, voilà. Pourquoi certains auteurs fonctionnent, pourquoi pas d'autres, c'est vraiment un truc inexplicable je crois, mais Amy Harmon sur moi ça fonctionne, et la traduction est très bien, vraiment la traduction elle est nickel, pas de coquille ni quoi que ce soit, c'est bien traduit, c'est très agréable à lire. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce roman, je vous le conseille si vous aimez les romances historiques du style Outlander en fait. Si t'es plutôt réceptif à ce genre d'histoire, je te conseille ce roman, parce que je pense qu'il pourrait te plaire. Voilà, moi j'ai trouvé ça très très chouette. Après bon voilà, l'aspect historique, je vous dis, j'ai sauté des pages, hein, voilà, tout ce qui était, je regardais si en fait ça faisait avancer l'intrigue ou pas avec Anne. Si je voyais que ça faisait pas avancer l'intrigue, je sautais. Parce que voilà, clairement je m'en foutais de ce qui se passait en Irlande, voilà, c'est pas un pays, j'ai pas d'accroche particulière avec le pays, ouais ça fait partie de la culture générale, mais j'ai envie de te dire, c'est pas ce genre de truc, j'ai pas envie de bourrer mon cerveau avec ce genre d'informations, je sais que ça ne me sera pas utile, et du coup voilà, j'ai zappé pour juste faire avancer l'intrigue avec Anne et avec son histoire d'amour forcément, et voilà. Très très chouette roman que je vous conseille. Là je me suis lancée dans un Liane Moriarty, c'est la première fois que je lis un livre de cette autrice. Je suis en train de lire Le Secret du Mari. Voilà, je viens de le commencer aujourd'hui, donc je suis vraiment pas loin du tout, mais du coup ce roman, eh bien je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, soyez au rendez-vous si vous avez envie d'avoir mon avis sur Liane Moriarty, hein, parce qu'apparemment c'est une super autrice et je connais pas ses romans, donc du coup je découvre. J'espère que cette vidéo-ci en tout cas vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!